tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée. Mais la réussite d'une mission ne se limite pas à une seule personne. Et c'est pourquoi je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles, des présidents de sites, pour leur implication, aussi dans les fêtes données cette année. Mais comme veut la tradition, permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire des personnes décédées depuis la dernière Assemblée Générale. Marie-Thérèse Martin, qui fut un pilier de l'écomusée de 1977 à 2007 et qui a fait preuve d'un remarquable investissement au sein de notre institution muséale. Madame Janine Londres, adhérente depuis 2005, malgré la maladie, avait tenu à renouveler chaque année son adhésion. Je vous propose pour en rendre hommage en exerçant une minute de silence. De la Ménoire, pour toutes les années passées au service de notre structure, merci. Avec tous nos remerciements. De toute façon, je garde toujours un bon souvenir, et puis je suis toujours en relation, donc je reviendrai souvent. J'espère. 83 adhésions individuelles, 16 associations, c'est aussi 27 salariés, 4 services civiques, 3 emplois d'avenir, 5 stagiaires également, dont un a été médaillé d'or, meilleur ouvrier de France. Et des bénévoles, bien sûr, qui continuent à faire de la structure un lieu unique qui réunit salariés et bénévoles. Les principales informations dont les membres du conseil d'administration ont déjà pris connaissance le 17 mai. Donc tout d'abord, le bilan. Le total de bilan s'élève à 738 303 euros. Il comprend à l'actif les immobilisations nettes, comme vous pouvez le voir sur les diagrammes circulaires qui vous sont présentés. Donc les immobilisations nettes pour 32 390 euros. De ma mission s'est effectuée par la planification des contrôles en janvier 2017. Le contrôle des comptes, l'analyse des subventions et des charges d'avril à mai 2017. Et des... L'assistante. La première. C'est bon ? Ça me va.